tous les pompiers ne sont pas plongeurs. À Monaco, ils sont 6. Leur particularité, la qualification SNL, intervention en surface non libre, c'est-à-dire dans des milieux où il est impossible de remonter directement à la surface. Les plongeurs sont partis poser une ligne de vie pour une reconnaissance sous la digue. Donc on fait le tour de la digue, on posait le fil. Donc on s'en vraiment passé ce qu'on appelle un SNL, surface non libre. Le port de Monaco a cette particularité d'être en partie construit sur l'eau, un terrain d'entraînement parfait pour les plongeurs. C'est bien pour nous, ça nous permet de nous entraîner. Ça permet également de connaître les lieux. Si un jour on doit intervenir, on connaît les lieux et on ne sera pas surpris le jour J de l'intervention si toutefois on doit intervenir. Il y a 2-3 mètres de visite, c'est pas fou. Ouais. Et la longueur totale de la ligne, c'est 60 mètres. C'est bon, on note tout et après vous déséquipez et on prend la relève. Les interventions en mer sont d'abord assurées par la police maritime, mais les plongeurs du corps des sapeurs-pompiers peuvent intervenir si besoin, d'où la nécessité de se préparer. Au plus on répète nos gammes, au plus on est entraîné, au plus l'intervention sera facile. Exercice réussi pour aujourd'hui.